Par rapport à notre jeûne et prière qui commence le 2 janvier, voici comment ça va se passer. Déjà, le thème, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Année des percées surnaturelles. Et c'est basé sur Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22. Vous pouvez adapter le jeûne si vous êtes sous traitement médical, si vous êtes une femme enceinte, si vous allaitez, ou bien si tout simplement c'est trop fort pour vous. Vous pouvez suivre juste le programme avec nous ou bien adapter le jeûne par rapport à ce que vous pouvez faire. Mais ceux qui n'ont rien du tout là, je vous exhorte à faire ce jeûne normalement. Tous les jours de 6h à 18h sans manger. Il y en a qui demandent ce qu'ils doivent boire. Il ne faut pas vous bourrer non plus le ventre d'eau. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de boire ou bien si votre travail veut que vous puissiez boire quelques gouttes d'eau, par exemple ceux qui parlent beaucoup dans leur travail, voilà, vous pouvez boire quelques gouttes d'eau, mais ne vous bourrez pas le ventre d'eau finalement, ce ne sera plus un jeûne. Donc, sinon, normalement, c'est sans manger, sans boire de 6h à 18h tous les jours. Et quel que soit le jour où vous allez tomber sur cette vidéo, si on est encore en jeûne, quel que soit le nombre de jours qui nous reste, vous pouvez prendre le train en marche. Si vous tombez sur la vidéo pendant que ça fait déjà 3 jours qu'on a commencé, ben prenez le train en marche. Si ça fait déjà 1 semaine, prenez le train en marche. Si ça fait déjà 2 semaines, prenez le train en marche. Même s'il nous reste 1 jour, prenez le train en marche. Ce n'est pas le nombre de jours que vous avez fait, c'est la disposition de votre cœur. Dieu sait que vous n'avez pas vite su. Amen. Donc, vous pouvez nous prendre en marche et on y va. Ceux aussi qui vont jeûner là, prenez le courage pour aller jusqu'au bout. Mais si jamais vous avez baissé les bras, vous pouvez toujours remonter encore dans le train. C'est comme ça. Alléluia. Dans le troupeau là, ce n'est pas tout le monde qui va au même rythme. Hein. Il y a des troupeaux, dans le troupeau, il y a des brebis très fermes qui marchent derrière. Mais quand même, elles font partie du troupeau. Donc, on y va, quel que soit à quel rythme tu avances, suis-nous seulement. On y va. Alléluia. Mais ceux qui sont bien vigoureux là, ce n'est pas la peine de faire exprès pour aller marcher avec les brebis qui sont derrière. Vous qui êtes vigoureux spirituellement, allez, prenez devant. Prenez la tête de la marche et on y va. On doit faire ce jeûne-là normalement. Donc, je dis que c'est basé sur Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22. Je lis. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Eh, mes frères, mes soeurs, ça, là, c'est le surnaturel. Quand Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit, Dieu les a fait précéder d'une colonne. Il y avait un ange qui marchait devant eux. Donc, il y avait une nuée comme ça. Hein? Une colonne, vous voyez. Et c'est comme un tourbillon, mais c'est une nuée qui avançait devant eux dans la journée. Et la nuit, la même nuée, là, devenait du feu. Ça devenait du feu. C'est ça, on dit le surnaturel. Je dis 2021. C'est l'année des percées surnaturelles. C'est le thème de notre jeûne qui commence le 2. Mon frère, ma soeur, il faut faire le jeûne avec nous. Il faut faire le jeûne avec nous. Quel que soit à quel moment tu tombes sur cette vidéo, si on n'a pas encore fini le jeûne, prends-nous en marche. Prends-nous en marche. Il faut que le surnaturel soit déclenché. Il faut que le surnaturel soit déclenché. Il faut que la nuée là, nous précède aussi. Et que dans la journée, ça devienne le feu. Et dans la journée, c'est la nuée, mais que la nuit, ça devienne le feu. Et le feu, non seulement pour nous éclairer, mais aussi pour consumer toute œuvre des ennemis. Pour effrayer aussi les ennemis, les adversaires qui viennent pour dire qu'il y a du feu devant eux. La Bible dit qu'ils devaient passer dans le désert. Donc, c'était aussi pour menacer les animaux sauvages. Quand ils voient le feu comme ça, ils s'éloignent. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure où le surnaturel doit être déclenché dans nos différentes vies. Afin que tout ce qui est animaux sauvages dans le monde spirituel, ils puissent se calmer devant nous. Parce qu'il y a un feu qui est devant. Alléluia. Oui, on va prier pour déclencher cela dans nos vies. Les portes doivent élever les linteaux. Les portes doivent élever les linteaux. Notre jeûne sera puissant. Donc, allez, préparez-vous, on va le faire. Voici comment se fera notre jeûne et prière du 2 au 22 janvier. Je vais vous donner encore les différents découpages par rapport à notre thème et tout ça. Déjà, le thème de notre jeûne qui commence le 2 ou finit le 22 janvier 2021, le thème c'est 2021, année des percées surnaturelles. 2021, année des percées surnaturelles. Et comme 21 jours, ça fait 3 semaines, 21 jours faisant 3 semaines, nous allons découper, voilà, notre thème en 3 sous-thèmes. La première semaine, le sous-thème, c'est « Accepter Jésus te positionne dans le surnaturel ». Accepter Jésus te positionne dans le surnaturel. Donc, la première semaine, c'est ça le thème. Voilà, parce que l'année 2021, c'est l'année des percées surnaturelles. La deuxième semaine, c'est
Les percées surnaturelles et comment les déclencher. On va expliquer les différentes percées surnaturelles, les percées qui se sont faites dans la Bible par des êtres humains comme nous qui ont fait des percées avec Dieu. Et comment est-ce que ces percées ont été déclenchées? Parce que beaucoup ne savent pas que la vie spirituelle, la vie en Jésus-Christ est une vie spirituelle. C'est une vie qui n'est pas physique. C'est une vie qui n'est pas, c'est-à-dire des choses spirituelles qu'on ne peut pas comprendre peuvent nous arriver. Et c'est ce qu'on appelle des miracles. Parce que nous sommes positionnés dans le miraculeux. Le Saint-Esprit est dans notre vie dès l'instant où on est né de nouveau. Donc des gens ont déclenché le surnaturel par leur marche avec Dieu. Et comment est-ce qu'ils se sont arrangés, comment ça a été déclenché, c'est de cela qu'on va parler. Voilà, d'abord les percées qui se sont faites et comment, voilà, quelques percées, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la Bible. Et comment est-ce que ça s'est déclenché, pour que nous aussi on puisse avoir cela comme exemple. Et la troisième semaine, le thème c'est prière et action pour déclencher le surnaturel. On va vous apprendre maintenant de manière pratique comment prier, comment agir, comment prier, comment agir pour que le surnaturel soit déclenché dans votre vie en 2021. Mes frères, mes sœurs, ne vivent qu'une seule fois. Vous voyez, le temps passe, mais les actes que nous posons nous laissent des résultats. Donc, quand une année commence comme ça, il ne faut pas juste vivre, laisser la vie t'arriver. C'est-à-dire, ne laisse pas les choses venir vers toi. Toi, va vers. Et ça commence d'abord par le spirituel. Vous voyez, le monde est physique et spirituel. Donc, spirituellement, il y a des actes à poser. Il y a un comportement à avoir. Il y a des choses à faire pour que le monde spirituel soit dégagé et qu'on puisse avoir nos bénédictions de manière physique. Quand le spirituel est dégagé, ben, le physique là, rentre en action aussi. C'est comme ça. Donc, ceux qui sont spirituels diaboliquement, eux, ils vont, ils ferment les portes à certaines personnes de manière spirituelle, physique, dans le monde spirituel là-bas. Et physiquement, mais les portes sont fermées devant ces personnes. Elles ne comprennent pas. Elles font tout, elles posent tous les actes qu'il faut poser, mais il n'y a pas de résultats. C'est ça qui montre que ben, la vie, là, les résultats, ce n'est pas que seulement des actes physiques à poser. Il y a aussi des actes spirituels à poser. Donc, voici nos trois semaines ont leur thème, leur sous-thème. Le grand thème, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Pour notre jeûne et prière du 2 au 22. Et la première semaine, c'est accepter Jésus te positionne dans le surnaturel. Ça, c'est le sous-thème de la première semaine. La deuxième semaine, c'est les percées surnaturelles et comment les déclencher. La troisième semaine, c'est prière et action pour déclencher le surnaturel. Amen. On sera bénis. Hein? Et donc, on aura des enseignements qu'on va mettre en ligne tous les jours. Et puis, des vidéos, tantôt aussi des vidéos de prière, tantôt des enseignements. On fera un effort pendant tout le jeûne de mettre des enseignements en ligne tous les jours. Donc, vous devez pas les rater. On les met en ligne, vous venez suivre et vous appliquez ce qui a été dit. Comme ça, ça vous fortifie. Que Dieu nous donne aussi la force de les mettre en ligne tous les jours. Alléluia. Et vous aussi, vous devez les lire. Nous avons le livre de Josué à lire. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Vous devez connaître les livres de la Bible. Voilà. Donc, nous avons le livre de Josué. Josué à lire. Voilà ça. Josué. Amen. Voilà, nous avons le livre de Josué à lire. Alors, vous savez très bien que quand on fait les jeûnes, on donne les livres de la Bible à lire. Josué contient 24 chapitres, mais nous avons 21 jours de jeûne à faire. Ça se passera comment? C'est que le 2 janvier, vous lisez Josué tout le chapitre 1 et vous venez au bas de la vidéo du jour, vous mettez les commentaires de ce que vous avez lu, ce que vous avez compris. Le lendemain, le 3 janvier, vous lisez Josué chapitre 2. Vous venez toujours mettre les commentaires, soit sur YouTube, soit sur Facebook, au bas de la vidéo du jour. Le lundi, qui sera le 4 janvier, vous lisez Josué chapitre 3. Voilà. Et vous venez encore mettre les commentaires, c'est comme ça. Donc, un chapitre par jour, et vous mettez les commentaires au bas des vidéos qui concernent le jeûne et prière. On pourra aussi mettre des vidéos ouvertes au grand public, comme d'habitude, mais il y aura des vidéos régulièrement pour le jeûne et prière. Et là, on va mettre entre parenthèses le mouvement devenir un vrai chrétien, jeûne et prière de 21 jours. Comme ça, vous savez que c'est la vidéo voilà, qui concerne notre jeûne et prière, parce qu'on peut aussi mettre des vidéos d'enseignement qui intéressent tout le monde, même ceux qui ne jeûnent pas. Voilà. Donc, la méditation de la parole, nous lisons le livre de Josué, parce qu'on donne un livre par jour. Pour la haute tension spirituelle depuis décembre,
janvier, là, ça continue, hein. Mais là, on rentre en jeûne, vous comprenez? Voilà, pour janvier, la haute tension continue, mais on jeûne maintenant à partir du 2 janvier jusqu'au 22. Et quand on va arrêter le 22, on va encore continuer la haute tension spirituelle, parce que la haute tension spirituelle, c'était sur 2 mois, décembre et janvier. Quand le jeûne finit le 21, on sera à Josué, quand le jeûne va finir le 22 janvier, on sera à Josué 21. Il faut continuer les 3 jours qui suivent pour terminer Josué. Josué, c'est 24 chapitres pour pouvoir terminer le livre et retourner pour aller terminer le livre des Psaumes. On a toute l'année à lire la Bible. Donc, on retourne aller terminer le livre des Psaumes avant qu'on ne puisse encore lancer un jeûne. Voilà, parce qu'on a 3 jeûnes à faire dans l'année 2021. Et continuez comme ça d'être connecté sur les différentes pages-là. On va chaque fois vous donner voilà, les enseignements, la direction. Et vous ne ferez que les suivre et vous allez grandir spirituellement. Vous allez être protégé, vous allez avoir votre relation avec le Seigneur. Parce qu'à tout moment, Dieu peut venir. Jésus-Christ peut venir. La Bible dit, en un clin d'œil, on sera enlevé. Donc, soit on est enlevé, soit chacun de nous va mourir. Et puis, on va aller trouver le Seigneur. Donc, on doit être prêt. Notre vie spirituelle doit être au beau fixe. Amen. Si vous continuez comme ça de nous suivre, vous appliquez tout ce qu'on dit selon la parole. Hein, et vous allez voir que vos vies spirituelles vont avancer. Concernant les sujets de prière, les sujets de prière seront donnés, voilà, une fiche par semaine. Donc, en début du jeûne, on va mettre en ligne, voilà, le sujet de prière pour la semaine. On a un sujet de prière pour 2 jours. Un sujet de prière pour 2 jours, mais une fiche par semaine. Donc, quand la semaine finit, avant que l'autre semaine ne commence, on mettra encore la fiche du sujet de prière où on précisera aussi la lecture biblique à faire. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, concernant votre temps de prière, c'est à vous de l'organiser. Vous ne pouvez pas faire un jeûne sans prier. Je le dis toujours, un jeûne sans prière, c'est une grève de la faim. Donc, vous devez, voilà, programmer la prière. On avait déjà pris le rythme depuis début décembre dans notre programme Haute Tension Spirituelle. On a dit à chacun de vous de faire son programme pour prier dans la journée, dans la nuit. On espère que vous le faites. Il faut le faire. Organisez-vous dans la journée, vous devez prier dans la nuit, vous devez prier dans la journée, vous devez prier. Et entre 45 minutes et 1 heure du temps, votre prière doit durer. Et pendant le temps de prière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la formule 3R CSP. Repentance, remerciement, requête. CSP, combat spirituel, proclamation. Vous faites ces 6 choses-là qui sont c'est une formule qu'on a dit, c'est pas que c'est écrit dans la Bible. Hein. Ces étapes sont écrites dans la Bible, mais nous, on vous les a données pour que ça puisse faciliter votre prière. Amen. Et vous devez aussi avoir un temps où vous lisez le chapitre qui est le chapitre du jour. Un temps de méditation de la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Amen. Donc, organisez-vous pour pouvoir avoir un temps où vous priez, un temps où vous méditez la Bible. Préparez-vous en vous abonnant. Il faut cliquer sur s'abonner ou sur j'aime sur notre chaîne YouTube La Moisson TV et sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Comme ça, vous ne ratez rien. Tout ce qu'on met en ligne concernant le jeûne et concernant toutes les autres publications spirituelles, vous pourrez les recevoir. Abonnez-vous et partagez cette vidéo.